gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder la pire émission de France. C'est tout simplement Next Man in France, l'émission préférée des Français. Le but est très simple. 5 mâles alpha en chaleur vont devoir essayer de pécho une demoiselle. Si on parle de façon moins élégante, on peut même dire qu'ils veulent la soulever. À chaque fois qu'ils passent une minute avec elle, ils gagnent 1€. Et oui, c'est le même prix qu'une baguette de pain. Donc s'ils passent 40 minutes, ils gagnent 40€. À la fin du rendez-vous, si la fille accepte, ils peuvent soit repartir avec l'argent, ou soit avoir un deuxième rendez-vous avec la fille. Mais attention, à tout moment, la fille peut dire « Next !» dans ta gueule. Un seul mot et tu retournes chez ta mère. Bon, je sais pas si vous avez capté le concept, mais vous allez très vite comprendre, c'est hyper simple. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, c'est parti. Ouais les frérots, mais ma calvitie, elle commence à vraiment se prononcer, hein, faut que je fasse gaffe. Hein. Alors je suis tombé sur un épisode qui m'a l'air pas mal, personne n'a réagi dessus sur YouTube, j'ai l'impression, donc on va le regarder. Salut, je m'appelle Sharon, j'ai 25 ans. Ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est le sport. Je recherche un mec sportif et intelligent, denrée super rare de nos jours. Si t'es un mec crade et que tu te laisses porter par la vie, bah laisse-toi porter calmement jusqu'au bus avec un ex. Un petit flop là, désolé, faut qu'on en parle, c'est un flop sa mère. Et voici les garçons. Oh, et attendez, est-ce que vous pensez les garçons ils vont être BG ou ils sont pétés? Après, la plupart du temps dans cette émission, ils sont éclatés au sous-sol. 15, 21 ans, je suis sûr qu'elle a aimé Matrix. Avec moi, c'est une nouvelle dimension. Monsieur! Pourquoi le frérot il a commencé à faire des vagues comme ça là? Moi c'est Max, je suis un motard de 24 ans. Et si cette fille veut monter sur mon engin, je lui ai montré qu'avec moi, il n'y a pas que dans les virages qu'on peut se coucher. Salut, moi c'est Mike, j'ai 24 ans. Et si elle me choisit, je lui promets des nuits de folie. Wadi, 22 ans, tu peux pas me laisser parce qu'avec moi tu vas kiffer. Pardon. Pourquoi quand il a dit tu vas kiffer, il a fait kiffer? Tu vas kiffer. Je m'appelle Anthony, j'ai 20 ans. Et elle me dira pas next, parce que je suis trop séduisant. Lui, il va se faire dégager en 2 minutes, je vous l'assure, je le sens. Dans le bus, les garçons jouent au dur à cuire. Sharon compte bien les faire ramer pour la séduire. Voyons lequel d'entre eux saura mener sa barque sans la faire fuir. Oh là 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 là. Je vais faire comment pour la draguer? Moi, je crois que je vais baisser mon pantalon direct. Le frérot, il perd pas de temps. Ils sont en mode, comment vous allez faire pour la séduire? Moi, je baisse le pantalon, je lui monte le zizi. Et ils sont pressés, hein. Enfin, Kaz, il est pressé, c'était mon préféré. Bah, non, mais c'est direct. Qu'est-ce qu'elle va me nexter? Elle va être déjà tombée dans les pommes. Oh. Et après, on va continuer. Moi, je vais sortir avec quelques petits mouvements de danse, là. Hop, hop, hop. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait les... Oh. Tu danses un peu, tu fais du break ou pas? Un petit peu. Ouais. Donc, je vais me faire plaisir, quoi. Kaz est le premier à sortir, il espère la faire craquer avec son sourire, oh. Mais les 4 autres attendent de le voir revenir. Oh, Kaz, c'est mon chouchou direct. Oh mon dieu, d'habitude les premiers ils sont nextés en 2-2, donc j'ai très peur. Hein. Allez, vas-y. Kaz a 21 ans, il a pleuré une fille pendant 3 ans, ouais. Il aime les batailles de tarte à la crème, ouais. Et il chante tout le temps, même aux toilettes. Ouais. Quoi? Bon, en vrai ça va, là c'est un profil assez normal, d'habitude c'est des trucs assez chelous, mais chanter aux toilettes c'est quand même un peu chelou. Imagine, t'es là aux toilettes, tranquille, t'entends ça? La vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Next. Il s'est fait next au bout de 6 secondes. C'était mon chouchou, putain. Putain, je viens de me taper le crâne, j'ai mal, frère. Ah, mais pourquoi lui? C'était mon guerrier. Les gars, vous imaginez, il vient d'hyper loin, il a fait genre 8 heures de route pour se faire un next au bout de 7 secondes. C'est cool. Une minute de silence pour Kaz, s'il vous plaît. Allez, flemme. Il est saoulé, il fait putain, vas-y, casse les couilles. Il a gagné que 1€, miskin. Surtout, il a fait 8 heures de trajet, il est venu là pour 1€. Eh, j'espère qu'ils sont pas comme ça, les 4 autres, parce que le premier, j'ai fait comme ça. T'es où? Ah, t'es là. Next. Oh mais j'ai envie de la balayer, frère, elle saoule avec sa tête à claque là. Non pardon, c'est pas bien, faut pas s'énerver. Oh non, vas-y, ça se fait pas. Lui il revient au bout de 7 secondes, c'est en mode let's go, tu pues la merde. Ça s'en fout. Faites les masses. Oh Max, à toi. Oh les l'intre. Oh là, le frérot il fait plus le mal, il est en train de se chier dessus, hein. C'est ça que j'entends dans mon casque. Hein. Oh, il déteste son visage, il ne fait jamais la vaisselle chez lui, et quand il est stressé, il transpire beaucoup. Salut, enchanté, Maxence. Ouais. Santa? Ouais.
Elle est en train de mater son cul là, c'est moi ou... Elle a dit ton doigt, ses yeux ils étaient en bas. Ça te convient? Mais elle est sauvage! Miskin, en plus elle a crié, ouais elle est folle hein, cette meuf. Tu me dégages direct comme Next ça. Va-t'en. Rien compris. Va-t'en. Ce ton m'a dégagé direct. Si j'avais su que j'allais à la pêche, j'aurais pris ma canne. Bon ben voilà les... Ça me fait parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent sur bonne. Let's go, il pue la merde! Wouh! Putain, la vieille meuf, elle a rien compris. Pure blonde alors, non? Putain, la vieille nana, franchement. Pure blonde, blonde! il pue le seum! Oh putain, la vieille meuf, elle a rien compris là. Il y a 2 minutes, il était en mode ouais, elle est grave belle, il est venu vers elle comme ça. Ah, c'est ça, hein? C'est ça, se faire envoyer comme du caca! Mike a 24 ans, il possède un singe qui lui sert de doudou, il a la phobie des filles poilues et il souhaite faire l'amour avec une fille de chaque continent en même temps. Ah, en même temps en plus. Michael, ça va chanter? Faire un aller-retour? On va l'activer. Okay. Oh! Déjà, ça veut dire qu'elle le kiffe bien. Parce qu'elle a dit on va faire une activité de ça, donc. Déjà. Champion! Tu m'emmènes en balade? Je t'emmène en balade. Franchement, elle est pas mal. Mais bon, moi j'ai pas bien regardé. Ouais, mais ce mec il pue le Sam Taylor, il est en mode ouais, elle est dégueulasse cette vieille là. Il dit bon, elle est pas mal, j'avoue. Moi en fait, j'adore les mecs sportifs. Donc on va tester un petit peu tes bras, ok? Ok. C'est parti. Tu fais quoi dans la vie? Je suis agent immobilier. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis entraîneur de volley. Ah, je suis super sportif, mais je te cache pas que je fais de la boxe. Ah, oh, ça, j'en ai fait, si tu fais quoi? De la boxe taille. Ah, ouais. Ça, c'est physique. Hein. Ouais. Avant, je jouais, maintenant, je joue plus. Ah, d'accord. Je me suis baissé le genou. Et t'as joué en. National 3. Ouais. Donc, c'est un bon niveau? Ça va jusqu'à N1. Niveau amateur, en fait. Non, ça va jusqu'en pro maintenant, les filles. D'accord. Je trouve plus beau à regarder les filles jouer. Ouais, parce que c'est plus tactique, c'est plus technique, en fait, les gars. Non, les garçons, c'est bien, mais. Ça se match et. Pendant que nos deux tourtereaux rament, dans le bus, Kaz fait une démonstration de danse. Partout. Donc, tu t'amuses. Après, il y a le Tetris, par exemple, où tu fais des petits cubes. Des petits cubes et des petits cubes. T'as bien ramé. Merci. Alors, la deuxième activité. Hey, il se tient la main. Ah ouais, il se met bien le poteau. Dans cette malle, avec ses coussins, je veux que tu me fasses mon rêve. C'est-à-dire d'accord. Que tu m'installes un rendez-vous super romantique. Moi, je suis ma princesse, je regarde. Hein. Tu mets tout, tu veux je veux tout. Que ce soit parfait. On va se rendre sur une île paradisiaque. Oh, c'est vivant. Est-ce que ça te plaît? Pas mal, c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu à ton rêve ou c'est pas mal, c'est pas mal? C'est pas mal, ça aurait été mieux avec la mer, la plage, mais bon, ça tue. Mais sinon, le reste te plaît? Pas mal, c'est avec des cœurs. Dans le bus, Maxence n'hésite pas à montrer son corps. J'ai un dent de dos et un... C'est la tradition, les gars. La tradition, c'est que dans chaque épisode de Next Made in France, les gars, dans le bus, au bout d'un moment, ils se font chier. Donc, quoi de mieux que de montrer son zizi? Allez. Allez, monte-nous ton sgeg! T'es le tigre, ok. Oh yeah. Ok. Ok. Oh, c'est vrai ça, tiens. Ouais, un petit dent de dos. Hey, ah, un petit grand, ouais. Ouais, ouais. J'ai changé, puis bientôt je vais me faire un autour du bras. C'est pour plaire au mec dans la caserne, c'est ça? Coup de bec, le plus chouette. Qui a plus du bec. Ah ouais, non, non. Ah ouais. Ça, c'est ta photo. Tu vas pour l'embrasser, tu fais. C'est limite un joueur. Ah, vous voyez, c'est des mecs qui transpirent le seum, mais genre. T'es loin, tu les croises dans la rue, tu sens ouf tes narines, tu sens leur odeur. On va faire un petit questionnaire. Si... What? Ça fait déjà 42 minutes, ça veut dire là, si, vu que c'est bien parti pour lui, je pense qu'elle va lui proposer soit un deuxième rendez-vous, donc soit il fait un deuxième rendez-vous avec elle et vraiment il aime bien quoi, soit il a 42 euros. Oui, et qu'il fallait que tu manges, je serais quoi? Un fruit de la passion, parce que c'est mon fruit préféré, et c'est exotique. D'accord, et si j'étais un cocktail? Un cocktail, un Sex on the Beach. Ah là là, toujours, hein. Dès que tu as le moyen de parler du zizi, le sexe, tu le mets dans ton mot. Là, elle lui a proposé un cocktail direct sexe. T'as l'histoire, vraie blonde, fausse blonde, ils se mangent entre eux. Ah, t'as pas vu, elle est fausse blonde, moi je suis vraie blonde. T'as pas vu ça? Oh, le flop. Oh, y a personne qui a répondu. Il te demande, vous avez vu? Non.
Ok. T'es un petit peu romantique, t'es quoi? Mais ils sont à l'aise, hein. Tout à l'heure c'était la main, maintenant c'est comme ça. Et ça fait presque une heure, hein, les gars, par contre. Le mec, il est vraiment chaud, hein. Je pense qu'il va vraiment la pécho. Pour arriver à la superbe statue que je voulais te montrer, parce que je trouve que la vue est très très belle. C'est vrai, c'est très mignon. Ça fait 65 minutes qu'on est tous les deux, soit 65 euros pour toi. Sinon, t'as le choix avec un second rendez-vous. Voilà, tu choisis quoi? Ok les gars, là c'est le moment que tout le monde veut voir. Est-ce que il va la pécho ou est-ce que il va prendre la moula? Après en vrai il m'a l'air bien sincère, hein. Ou alors c'est un bon mytho. Moi en vrai je veux dire, j'aurais jamais pensé ça, mais je pense que je veux dire il prend un deuxième rendez-vous avec elle. Vous pensez quoi? Je vous laisse dire en commentaire. On va voir, c'est maintenant. Moi je cherche une fille juste pour me poser. Ah les flashbacks. Cuisine. T'es une femme parfaite alors. Écoute, on a passé un moment super agréable, mais je vais prendre l'argent. Sharon, t'as vraiment un beau corps, mais t'as. Mais c'est un bâtard! Même moi, j'ai de la peine pour la fille. De base, elle était méchante, mais il prend les 65 euros au lieu de la pécho alors qu'il a fait le mec gentil pendant une heure. Bon, ok, je te trouvais plutôt pas mal. Mais toi, t'avais pas ça. Du coup, t'auras pas ça. Elle fait que flop, hein, désolé, mais. Vas-y, viens. Ça, un peu, là. Bah écoute, je lui ai dit non. C'est pas possible. Voilà. Attends, mais du coup, là, il y en a deux, ils sont pas passés. Ça se trouve, ils ont fait 10 heures de trajet. Tout ça pour rester dans le bus. Et j'ai pris 65 euros. Charles, pour nous avoir, tu peux toujours ramer. Voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, like, et vous connaissez la recette. Si vous voulez un épisode 2 sur Next, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, moi je vous dis ciao l'équipe.